La nébuleuse du crâne, c'est pas vraiment une nébuleuse en fait. C'est un terme historique. La nébuleuse du crâne, c'est un reste de supernova précisément. La nébuleuse du crâne, qui est vraiment la couche extérieure de l'étoile massive qui a explosé et qui est encore en train d'exploser d'une certaine manière, donc ce qu'on appelle le reste de supernova. Et le pulsar, qui est en réalité une étoile à neutrons et qui est l'intérieur de l'étoile cette fois-ci, qui s'est effondré au même moment. La trame narrative, ça commence avec une personne avec les yeux fermés, comme très le noir puis le flou. Ouais. Puis là, comme la musique commence à s'animer, la personne s'ouvre les yeux puis elle est en train de regarder le ciel. Elle est en train de regarder les étoiles. Mm-hmm. Puis il y a un peu d'émerveillement à la nature. Puis c'est là qu'on aimerait aller chercher dans le visuel, puis probablement aussi dans la musique, dans l'histoire des Premières Nations. Je sais qu'on avait parlé de constellations l'autre fois avec les romans. Moi, ouais, c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aimerait évoquer le plus grand que soit, la nature, mais aussi comme le créateur. C'est un peu ça, là. Par la suite, ça s'anime, musicalement autant que visuellement. Puis là, éventuellement, on change le focus à l'étoile qui commence à exploser.